Il reciclant parce que à nous deux, on n'arriverait pas à manger. Alors, on le fait aussi pour nos amis iraniens qui sont en rue de Gore. Et il faut tout partager. Ça fait 30 ans qu'on partage les soucis. Alors, même les légumes, c'est rien du tout. Même combat. On vit le même combat. Oui, on vit au même combat, oui. On était à Straf. Je ne sais pas si on va aller à Liberty, mais ça, c'est une autre chose. Mais toutes les batailles qu'on a participées, je pense, qui vont donner les fruits. La liberté, c'est pas. On se bat depuis 30 ans. Espérons que tout ça va bien. Il va y avoir un grand rassemblement là au mois de juin à Villepinte. De nous, nous serons. À Villepinte, où nous allons encore repartager tout le combat pour tout le monde, en essayant de encore avancer. On a beaucoup déjà avancé, mais à l'avenir, il n'y a que des bonnes choses qui arrivent. Il faut encore se battre. Évidemment, c'est encore des combats un peu difficiles, mais il faut toujours avoir l'espoir. Et puis Mariam nous donne tellement l'espoir qu'on est tous impliqués dans cette affaire. Et nous, ça fait 30 ans qu'on se connaît, qu'on se bat. On fait en sorte, suivant nos disponibilités, bien évidemment. On n'est pas toujours disponible, mais quand on peut, on est disponible et on vient pour pouvoir leur remonter le moral. Et c'est pour ça qu'on fait un peu plus de jardin. Et pour eux, c'est quand même une satisfaction parce que c'est un partage pour tout le monde, pour leur combat, pour détruire tous les mauvais personnages qu'il y a en Iran. En Iran. Qui les tue, qui les pend, qui est inadmissible de voir des choses pareilles. Évidemment, nous faisons partie de la famille et on en est bien heureux. On est tellement famille que de temps en temps, tous les deux, on prépare à manger pour tous les frères et sœurs de la rue de Gore. On va leur faire... Avec plaisir. Nous sommes des gens très simples et on est là pour leur combat et puis on va se battre encore pour le 13 juin à Villepinte pour ce grand rassemblement. Ouais.